Bonjour à tous. Ce cours se propose de répondre à la question suivante. Pourquoi les dépenses publiques croissent-elles? Son support est la traduction adaptation du livre Public Choice de Denis Mueller, publié en 2003 aux presses de l'Université de Cambridge et traduit en 2010 chez De Buch. La figure suivante montre clairement cette croissance de la dépense publique totale en France sur la période 1870-2013, grâce au calcul du ratio dépense publique totale sur production intérieure brute. Ce ratio était d'environ 10% en 1900. Il est aujourd'hui en 2013 de 56,56%. Ce ratio additionne les dépenses publiques de l'État central, des administrations de sécurité sociale, et des administrations publiques locales, autrement dit des communes, des départements et des régions. Il a été calculé grâce à l'important travail des historiens de l'économie qui ont réussi notamment à reconstituer des séries de production afin de pouvoir comparer le niveau relatif de la dépense par rapport à la richesse nationale. L'explication, généralement avancée par la théorie économique de cette évolution, et que la dépense publique permet de gérer les défaillances de l'économie de marché, autrement dit du capitalisme. Le capitalisme détruirait les solidarités anciennes et imposerait la solidarité politique. Le capitalisme créerait le chômage et la pauvreté. Ces maux privés justifieraient la mise en œuvre d'aides publiques à l'emploi, la création d'emplois publics et l'existence de transferts sociaux. Le capitalisme serait aussi à l'origine de fortes inégalités et imposerait des transferts sociaux pour maintenir la paix sociale. Il ne pourrait pas, en ce sens, survivre sans la régulation publique. Il serait aussi incapable de produire les biens collectifs nécessaires à une vie collective sereine et harmonieuse. Toutes ces explications donnent une vision positive des hommes du gouvernement et négative des acteurs du marché. Toutes ces explications font de plus comme si la dépense publique était d'une part toujours au service de l'intérêt général et qu'elle s'imposait d'autre part à tous comme l'unique solution aux problèmes économiques et sociaux. C'est ce type d'hypothèse implicite que la théorie des choix publics, initiée par des auteurs comme James Buchanan ou Gordon Tullock, a critiqué. D'une part, parce que le monde politique est aussi traversé par la corruption et les conflits de personnes, l'incompétence et plus généralement le besoin d'argent, il n'y a pas nécessairement plus de désintéressement en politique que sur le marché. D'autre part, parce qu'une défaillance de marché ne suffit pas à justifier une dépense publique. Il faut aussi s'assurer que les maux publics, les défaillances de l'État, ne sont pas supérieurs aux maux privés. L'une des grandes innovations de la nouvelle économie publique ou de l'école des choix publics est alors de lever toute idée de sacrifice des dirigeants et des citoyens à la chose publique. Tous les acteurs publics obtiennent en retour de leurs actions un gain personnel. Il n'y a pas plus de désintéressement systématique en politique que dans les affaires économiques. Cela signifie que la croissance des dépenses publiques n'est pas seulement au service d'une fin plus haute comme la justice ou l'efficacité productive. Elle trouve aussi ses raisons dans l'égoïsme des hommes politiques, des fonctionnaires de la République et de l'ensemble des citoyens qui cherchent à tirer le maximum de bénéfices de l'action politique, quelles qu'en soient les conséquences sur le niveau de richesse de la nation et la justice sociale. L'État est peut-être exclusivement alors, comme l'a défini Frédéric Bastiat dans un article publié dans le Journal des débats dès 1848, la grande fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. La question devient alors la suivante. À qui profitent les dépenses publiques en démocratie?